Sur le toit, il est sur le toit. What, les bons qu'il fait. Wow, les abonnés. Wow, wow, wow. Ok, ok, là c'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant. Faut que j'arrête de tirer les abonnés. J'ai trop un truc où il peut pas nous atteindre. Ok, ok, ok. Fais attention, fais attention. Il y a une échelle avec une cage. What the... Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Oh, les abonnés. Oh, je suis attiré. Ok, les abonnés. Les abonnés, Huggy Wuggy de Poppy Playtime est devenu géant. En effet, Monsieur YouTube était en mission pour le capturer. Monsieur YouTube, c'est un membre de ma famille, voilà, qui voulait capturer de nouveau Huggy Wuggy, puisqu'il s'est échappé de la prison dans laquelle on l'avait enfermé. Je parle évidemment de la DF35 Foundation. Du coup, voilà, le problème actuel, c'est que nous avons un Huggy Wuggy, du coup, de Poppy Playtime géant. C'est un très très gros problème, étant donné que Huggy Wuggy nous terrorisait déjà. Et là, le fait qu'il soit géant désormais, c'est encore plus terrifiant. Genre, vraiment, je suis méga inquiet les abonnés. Déjà qu'on n'arrivait pas à gérer Huggy Wuggy de Poppy Playtime normal, et ben là ça va être encore plus compliqué en version géante. S'il attaque la maison, on est clairement mort. Du coup les abonnés, j'ai décidé de régler le problème à sa source. D'ailleurs les abonnés, je vous ai toujours pas expliqué comment est-ce que Huggy Wuggy de Poppy Playtime était devenu géant. J'ai commencé puis en fait j'ai pas fini mon histoire. Mais du coup Monsieur YouTube était parti pour le capturer. Il a voulu utiliser une potion tout simplement pour le mettre KO. Mais le problème c'est qu'il s'est trompé de potion. Et malheureusement il a utilisé une potion qui a rendu Huggy Wuggy de Poppy Playtime géant. J'ai vraiment ce que ça veut dire géant. Est-ce que genre vraiment géant, c'est genre vraiment géant beaucoup plus grand que cette ville là Je sais pas trop parce que Monsieur YouTube a été assez flou. À mon avis il a dû vraiment bien faire de la mouise. J'allais dire j'allais dire un gros mot. Mais il a dû vraiment faire quelque chose de très bof. Ah bah Monsieur YouTube t'es là. Nice. Bon Monsieur YouTube, tu veux pas trop me dire de quelle taille il est, mais c'est que t'as dû vraiment faire quelque chose Mais là il y a plus important, tu vois. Quelque chose de bien plus important que Huggy Wuggy. C'est quoi? Bah regarde, cette fois-ci elle va te dire un nouveau truc, j'ai encore programmé. Vas-y, écoutez. Ah, c'est les poupées qui parlent. Vas-y, attends, je l'écoute. Toi et Light, sinon je te fais une grosse balayette. Je retrouve ton adresse et je ton frigo. Mais c'est quoi ça? Mais normalement, t'es censé dire je vole ton frigo, mais voilà. Mais je suis mort. Bon, bah voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On est bientôt, bon je dis bientôt mais en vrai non, mais nous sommes à 900 000 abonnés, déjà plus de 900 000 abonnés, on est à 902 000 je crois à l'heure où je tourne cette vidéo. Mon rêve le plus ultime depuis 10 ans, c'est d'avoir le million d'abonnés sur YouTube. Et nous y arrivons, c'est incroyable, si tu veux participer à cette aventure, eh bien abonne-toi. Regardez, même Léo il vous dit de vous abonner, bon j'arrive pas à lire son message, il est tellement plein de fautes. Mettez un petit arrêt sur l'image si vous voulez lire ce qu'il a écrit. Je pense que tu devrais l'envoyer à l'école parce que bon là il a cessé chez les cours. Oui je crois qu'on va l'envoyer à l'école. Bref du coup les abonnés, l'objectif de cette vidéo il est très simple quand même. C'est qu'on retrouve Huggy Wuggy géant et qu'on le neutralise une bonne fois pour toutes. T'as dit quoi Booba? Viens là frère. T'as dit quoi? Attends. Viens là. Ah attends j'arrive. Qu'est-ce que t'as fait? Un totem? Attends. Alors il faut que je lise dans quel sens? Du panneau du haut? Non ok vas-y c'est toi qui lis. Oui frère le beau gosse, tu veux de la plante verte foncée, claire ou vodka coca? Quoi? De la plante? Attends, ça veut dire quoi? Tu me vends de la plante? C'est quoi ce genre mais de plante? Non, c'est des champs d'arômes. Des champs d'arômes naturels. Naturels. J'ai fait une faute. Bouba, regarde. Bon, quelles sont les plantes qui se consomment? Ça fait délirer un petit peu. Tiens, Bouba, oui, bon. Regarde. On va éviter ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est un truc à dire, Diabolo. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Faut que j'y aille. Faut que j'aille voir ma petite amie. Vas-y, c'est pas grave, vas-y, let's go. Allez, alors. Mais genre, fais-moi tes petites amies, bah vas-y, c'est la première nouvelle ça. Bon, qui, les abonnés, du coup, let's go. On va tous s'équiper, on va tous choper des armes, etc. Pour aller chasser, du coup, du Huggy Wuggy géant, il serait complètement à l'opposé de là où on habite. Du coup, il va falloir qu'on se dépêche de bouger en vrai de vrai. Monsieur YouTube, est-ce que tu peux aller chercher tout un petit arsenal voilà, de guerre? Tu vas nous chercher tout simplement. Alors là, des... je vais aller chercher de l'artillerie, allez, let's go. Vas-y, t'amènes de l'artillerie pour tout le monde. Alors attends, je te dis un petit peu les commandes que je veux. Avant d'aller chercher tout ça. Non, pas de bazooka. Ouais, ici en vrai. Uber Eats, je passe la commande. Bonjour, non, vrai, monsieur. Pas de bazooka, je pense, parce que bazooka, c'est un peu hardcore. Non, on va juste prendre, genre AK classique, tu vois, avec lunettes. C'est bien avec des frites ou pas? Non, je te demande juste AK avec genre classique, tu vois, genre balles, etc. Des gilets pare-balles, des trucs comme ça, tu vois. Tu vas chercher tout ça, des flingues et tout. Et aussi quelques armes, genre sniper aussi, ça peut être pas mal. Tu nous ramènes tout ça et ensuite on part en expédition, les abonnés. Ça va être une giga expédition, ça va être très stylé. Est-ce qu'on va se faire attacher? Qu'est-ce que je raconte? Est-ce que nous allons nous faire attaquer par Huggy Wuggy durant notre périple? Je ne sais pas. En tout cas, ça risque d'être vraiment très stylé. Commande sur Uber Arms. Uber Arms, oui, bon. N'importe quoi. Bon, du coup, les abonnés, c'est ma blague ça. Et d'ailleurs, les abonnés, notez ma blague sur la commande Uber.
Uber Eats. Hein. Zéro, allez, dégage. Bon, les abonnés. Surdisent ma blague de Uber Eats, la team. Du coup, les abonnés, on va attendre simplement que monsieur YouTube chope toutes les armes. Une fois qu'on est tous équipés, eh bien, on partira en expédition pour trouver Huggy Wuggy géant. C'est bon, les abonnés, monsieur YouTube est prêt avec toutes ses armes. Vas-y, régale-nous. Vas-y, file-nous tout ce qu'il y a. Allez, viens, viens, on va te mettre un par un parce que sinon ça va être le bordel. Vas-y, vas-y, alors, tiens déjà. Vas-y, ok, ok. Un fusil d'assaut. Eh, stop avec le canapé. Vas-y. Aussi un lance-grenade. Vas-y, vas-y, on va. Un lance-grenade. Ok, alors, bah, Bazooka, par contre, y a que moi qui ai le droit. Hein, parce que après, je sais que ça va être le bazar avec les autres. Ouais, moi, quand même aussi, tu vois. Moi, mais tu moi, mais je faudra bien faire attention. Hein. Ok, moi, un sniper. Let's go, sniper, parfait. Ouais, vas-y. What? Et ensuite, les balles. Qu'est-ce qu'il fait, Léo? Ok, what, toutes les balles. Ok, let's go, let's go, let's go. Ok, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que aussi t'as un petit gilet pare-balles, s'il te plaît, pour moi? Un gilet pare-balles? Non, j'ai mieux. Tiens, SWAT. Ah, nice, 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 nice. Ok, une tenue du SWAT. Ok, ok. Alors, bon, tu vas faire c'est chaud avec. Je la mettrai uniquement comme ça, parce que regardez, comme, moi, quoi. Comme ça, regardez les abonnés, j'ai très très chaud. Du coup, je la mettrai uniquement tout simplement voilà quand on se retrouvera sur le terrain. Du coup, c'est parti, go l'expédition. Tu files tes armes à Booba. Est-ce que Léo, tu restes à la maison ou pas? Et Cardi, tu viens avec nous? Cardi, tu viens avec nous? Quoi, Cardi? Attends, exprime-toi, Cardi, qu'est-ce qu'il y a? Cardi, arrête de béquiller. Faut que j'organise des choses, en fait, je t'explique. Il y a un petit problème avec moi, c'est j'ai pas d'armes. Parce que t'es moche. Ah, mais t'inquiète, vas-y, va t'enfiler, monsieur YouTube. Tu fais quoi, du coup, Léo? Tu restes ici ou pas? Bah, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des énormes sauts pour les tuer. Léo, tu vas dans ta chambre. Tu joues tranquillement à des jeux vidéo et t'arrêtes de faire des trucs comme ça, c'est horrible. Vas-y. Merci, est-ce qu'on merci, peut dire que c'est un aéroport, le fait que le cochon vole? À arrêt au port, comme je disais à l'ancienne. Un aéroport. Bref, du coup, c'est parti, l'expédition est commencée. Salut, nous Laura. Partons en direction, simplement, voilà, de Huggy Wuggy géant, les abonnés. Yaboulou. À tout moment, Huggy Wuggy géant peut venir, peut arriver. C'est ça le plus flippant. Léo, du coup, il reste à la maison. Je t'ai donné un gilet pare-balles, d'ailleurs. Il est resté à la maison. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi, le rat de TikTok. Attends, mais je suis mort. Attends, mais t'es tête de rat. Ah oui, c'est moi sur TikTok. Attends, mais comment t'as fait ça? Mais je suis mort. Ouais, je crois que j'allais te dire la réponse ou quoi? Mais je suis mort, mais c'est énorme. Salut, le rat. C'est Ratman, c'est le nouveau héros. C'est le filtre Snap dans la vraie vie, genre, enfin, dans Minecraft, du coup, mais... Bah oui. C'est énorme. T'es mal à taille du rat, quoi. Let's go. Bon, allez, let's go, on se dirige en direction du coup du Diabolo, enfile ton gilet pare-balles, je t'en ai donné un. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir, les abonnés. Je sais pas à quoi il va ressembler en tout cas, mais voilà, on a très hâte de le découvrir. Je pense que vous aussi, les abonnés, vous avez très hâte de le découvrir. Du coup, on va commencer déjà en longeant les montagnes, voilà, puisqu'on va peut-être pas descendre directement. Comme ça, Diabolo. En fait, quand on est en des montagnes, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je disais, je t'ai donné un gilet pare-balles, tu devrais l'enfiler. Ouais, je sais, j'ai vu, mais en vrai de vrai, okay. Ah ouais, peut-être, ah ouais, pour que, ah ouais, j'avoue, attends. Je vais le mettre, allez, comme ça j'avoue que ça c'est facile pour le porter. Là je suis plutôt bien, je suis plutôt à l'aise. Let's go, du coup c'est parti. D'ailleurs les abonnés, pour ceux qui réclament des vidéos, voilà, IRL etc, il va y avoir des dingueries qui arrivent, hein. Les abonnés, vraiment, je vous le dis, il y a des dingueries qui arrivent. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, parfois je spoil un petit peu les vidéos que je vais sortir sur Instagram. Du coup n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, ça s'affiche à l'écran, @diabolocorp. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous êtes déjà plus de 18 000 à me suivre, du coup, continuez de venir, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas de liker son compte Instagram aussi, parce que là, je suis là pour ce voici. Voilà, c'est ça, faut liker les petites photos. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Booba? Est-ce que le dinguerie, c'est ta calvitie? Eh, faut arrêter avec ma calvitie. Je montre en direct, plus, regardez les abonnés, j'ai juste les cheveux courts parce que je me rase les cheveux, genre comme un militaire. Ah, c'est bon, du coup, les abonnés, regardez, pourquoi je disais qu'on passe par les montagnes? Parce que regardez, on a un très bon champ de vision. Un très bon champ de vision, simplement, voilà, sur l'ensemble des plaines, bon, etc. Un des champs, quoi. Genre, sur on a une très bonne bouche. On a une très belle vue, en fait, simplement, voilà. Et du coup, on peut voir de loin si Huggy Wuggy géant arrive sur nous, en fait. C'est ça qui est pratique. Tiens, alors, si on était va en bas, tu vois, comme ça, là. Imaginons, genre, voilà. Ouais, non, en vrai, y a pas besoin de ça, t'inquiète. Imaginons, genre, en vrai, on est genre en bas, tu vois, d'un des deux côtés. Ouais, ben, on voit pas si justement Huggy Wuggy peut arriver de la droite en ou de la gauche. Quoi. On verrait pas, en fait. Je m'exprime très très mal, mais vous avez compris, j'espère, pour la plupart. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'arrive à bien expliquer mes idées ou non. Comme ça, j'essaierai de m'améliorer pour les prochaines vidéos. C'est pour l'embêter, c'est pour embêter Diabolo. Oui, bon, non, dites pas ça s'il vous plaît en commentaire. Dites-moi, je vais la team des gens qui disent que je parle bien. Bon, du coup, regardez, ici il y a une gigaville. On essaiera de s'y rendre un de ces jours. Il y a des casinos et tout ici à l'intérieur. La statue de la liberté. Ça va être drôle en Wish. Vrai. Bon, casino sur Minecraft, hein, parce que sinon, casino IRL, faut surtout pas y jouer. Mais voilà, un casino sur Minecraft, ça peut être drôle. Bon, du coup, let's go. Ici il y a un petit camp. Ah ouais, les montagnes par contre, elles commencent à partir. Là, peut-être qu'on va descendre en vrai, parce que en gros. Et si on peut raconter une histoire d'horreur là-bas? Ça va être très long, le soleil il est rendu où? Attendez, où est-ce qu'il est le soleil? Ok, il est là, il est à midi.
Mais je pense que le temps qu'on rejoigne, parce que c'est complètement l'opposé, c'est par là-bas. Le temps qu'on rejoigne, il va falloir qu'on descende. Ouais, il y a des monster trucks. Moi, je prends mes élytras, Diabolo, on va gagner un peu de temps. Non, Diabolo, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu peux m'aider vite fait sur un devoir? Un devoir de quoi? Un devoir de français. Waouh. T'amuses. Allez, s'il te plaît. Vas-y, dis-moi. Mais je pense que ton petit cerveau, il va rien comprendre. Vas-y, dis-moi. En fait, j'aurais besoin de savoir c'est quoi la conjonction de subordination, de la supramobilisation, de la relativité du kebab. What? Alors écoute, attends, moi j'ai la bonne réponse c'est le kebab grillé. Quoi? Attends, mais what? Mais ils prennent 3000 ou quoi les abonnés? Mais non, mais c'est vraiment ça la réponse. Je crois qu'ils se moquent de moi les abonnés. Je crois qu'ils se moquent de moi. Sale. Bon, attends. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Cardi? Juste, vu qu'on a commencé avec les cours, je voulais te dire qu'en physique on avait appris un truc. Vas-y, attendez, on continue de faire le chemin parce que on est. Faut qu'on continue de faire le chemin. Potion qui fait pousser les cheveux. Vas-y, vous êtes dans l'abus, c'est pas possible, vous êtes vraiment dans l'abus, hein. Bon, let's go, on continue. Les abonnés, vous allez me dire aussi en commentaire si j'ai une calvitie ou non. J'ai envie de savoir là. Il faut dire les termes. Le loin de toi, c'est des produits chimiques ici. Regarde, c'est des cubes de produits chimiques. On va essayer de faire gaffe, Mais de toute façon, l'endroit où on va, tu vas voir, il y a une usine nucléaire et tout, hein. Diabolo, c'est des produits radioactifs, il doit faire un truc, c'est sûr, il doit faire des expériences là-bas. J'avoue, mais tu vas voir là, on va aller, ça va être vraiment hardcore. Tu vois là, bah de toute façon, mais je suis bête, je te dis là où on est allé. Alors que c'est l'endroit où t'es allé, vraiment, je suis débile, hein. Mon QI il est inférieur à zéro. Hein. Bon, allez, let's go, on continue les abonnés. Ouais, mais moins fois moins, ça fait plus, Diabolo. Ouais, je sais. C'est pas l'ENA situation qui dit plus égale plus. Ouais, je sais plus les abonnés, bref. L'ENA, c'est ma femme. Oula, c'est plutôt la femme de Seb Lafrite, je crois. Bon, du coup, let's go. Donc là, ce sont des vignes, etc. Donc voilà, les abonnés, je vous avais dit, hein, le parcours va être très long. Mais pour l'instant, pas de trace du Aiguille géant. Alors, on n'est toujours pas à l'endroit où Monsieur YouTube a utilisé la potion et a rendu géant Aiguille. Donc pour l'instant, pas quoi s'inquiéter. Le truc, c'est que quand on va arriver là-bas, voilà, il faudra faire attention. Donc voilà, let's go, on continue le chemin. C'est parti. Là, il y a beaucoup d'arbres. Alors là, on est dans ce qui s'appelle des... C'est un verger, avec des vergers ici, et tout. Donc là, voilà, c'est de l'exploitation genre agricole. Bref, les abonnés, du coup, voilà, pendant ce petit chemin, on a parlé pas mal de choses. J'espère que ça vous plaît quand on parle un petit peu de trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comment il s'appelle? Ouais, monsieur YouTube, il m'a mis une citrouille sur la tête. Mais t'as changé de tête, bah attends, enlève-la, est-ce que t'as la tête de Rance, toi, encore? Non. T'as toujours... Mais what? Mais comment c'est possible? Comment il fait ça? Les abonnés, dites-moi, parce que franchement, je sais pas comment il fait ça. C'est mon petit tour de passe-passe, ça, Diabolo. Vous êtes chaud bouillant. Bon, on arrive dans... Est-ce qu'on arrive bientôt là, monsieur YouTube? Ouais, on arrive dans pas longtemps, je crois. Ouais, on arrive bientôt. Mais après, voici qui est allé dire. What? Mais attends, salut. Mais c'est pas possible, mais je suis en tête, c'était 2 minutes, c'est incroyable. Allez, let's go, on continue les abonnés. Non, c'était des masques, espèce d'idiot. On continue. Les abonnés, nous arrivons dans la zone, et comme je l'avais prédit, il commence à faire nuit. Ça veut dire qu'on va sans doute voir Huggy, Poppy Playtime, et géant de nuit. C'est ce que je craignais, et c'est ce qui va se passer, les abonnés, j'ai l'impression. Du coup, ça me fait un petit peu flipper. Donc voilà, on y arrive en pleine nuit. Alors regardez, en gros la forêt elle est par là-bas. Elle est, voilà, là on commence à être dans une forêt déjà beaucoup plus dense. Alors là par contre il faut vraiment qu'on reste ensemble. Quoi, la forêt dense? Quoi? La forêt dense, Diabolo? Oui, la forêt dense, attendez, je crois que je peux danser aussi, attendez. Regardez les abonnés, moi aussi je danse. Qu'est-ce qu'il est, ça me termine toujours autant ça. Elle montre quelqu'un une torche parce que moi j'y vois rien du tout là. Et on va s'enfoncer dans la forêt. Mais comment il change toutes les 2 minutes de tête, je comprends pas. Vas-y, envoie une torche s'il te plaît, monsieur YouTube. Vas-y, une petite torche, s'il te plaît. On a trouvé des trucs là-dedans, tu vois. En fait, on va lancer une industrie de torches bientôt. Parce que j'en ai souvent avec besoin. Avec des masques. Bon, Cardi, merci, mais non, merci, Cardi, quoi. Maintenant que j'ai la torche, les abonnés, on va pouvoir s'enfoncer dans cette forêt. Voilà, cette forêt lugubre, cette forêt très flippante, dans laquelle est censé être Huggy géant. On y est encore une fois de nuit. C'est quoi? C'est une alarme? C'est quoi ce délire? Je pense que c'est à côté de la maison. On est passé à côté de la maison, c'est pour ça. Il y a moyen aussi que ce soit pas seulement ça. Je vous dis, il y a une centrale nucléaire qui est pas loin. Il y a une centrale nucléaire qui est pas loin. Ah ouais, il doit y avoir d'expérience. Il y a une serre ici. Bon, on n'a pas le temps d'aller la découvrir. Mais on va. Avant Diabolo, du coup, je disais une blague. Tu penses quoi de Cardinosaure? Cardinosaure. Notez la blague de monsieur YouTube en commentaire. Attendez les abonnés, parce que là, je crois qu'on va devoir passer de l'autre côté de la montagne. Pour moi, c'est ça. De l'autre côté de la force. Il va falloir qu'on passe. Si vous avez la côté. Référence, bien sûr. On va vers Cardinosaure. Clairement, on est en pleine forêt. Cardinosaure. À tout moment, il y a Huggy qui nous surprend et on est dans la mouise totale. Hop, stop. C'est Cardinosaure préhistorique. C'est qui me frappe. Mais il y a Cardi derrière.
Ok, on essaie de monter les abonnés par là. Ok, ok. Alors la montagne est un peu compliquée à grimper puisque tout simplement voilà, on va plutôt monter par les arbres. Voilà, c'est plus facile. Ah ouais, oh, quoique. Oh, attends, casse un peu les buissons, c'est bon, Diabolo, c'est des buissons. Non, mais regarde ici. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais what? Attendez. Les abonnés, on s'en concentre. C'est bon, les abonnés, voilà, j'ai trouvé un chemin effectivement pour rejoindre rapidement voilà, le haut de la montagne. Ok, j'ai failli tomber encore une nouvelle fois, ça aurait été vraiment très débile. En vrai, Diabolo, petite question comme ça. Ouais, c'est moi. Là, tu vois, tu parles à tes abonnés, mais ça se trouve, il y a des non-abonnés qui regardent. C'est vrai, il est peut-être temps de s'abonner. C'est ouais, pas mais sérieux, tu n'es toujours pas abonné à ce moment-là de la vidéo. Aussi, faudrait pas. Faudrait inciter les alors, gens qui sont pas coup, abonnés, tu vois. Ok, alors du coup, ouais, je me suis fait un peu mal. Alors du coup, voilà, c'est par là-bas. Ok, donc là, on est au niveau de l'eau. Donc là, voilà, on devrait pas tarder. Viens, à avoir Diabolo, viens. J'ai un bateau sur moi, on saute à la flotte. Vas-y, si t'es chaud, vas-y. Et comme ça, on accoste. Mais t'es nul, on Vas-y, vas-y. On l'accoste. Pas loin. Pas loin. On l'accoste, ah oui. Je saute dans l'eau. Placement de produit. Bon. Bon, non, j'aimerais bien être sponsorisé par Lacoste. Bon, let's go. Où est-ce que t'es? Ok, vas-y. Alors, par contre, il me faudrait un bateau moi aussi parce que bon. J'ai un deuxième bateau, c'est okay, bon. Ok, let's go. C'est parti. Allez, oui, viens, Booba. Ah, mais c'est Cardi. Cardi, elle est où? Cardi? Non. Cardi Nozer. Mais on a perdu Cardi ou quoi? Elle est là. Ah ok ok, Cardi vas-y viens. Hey, Diablo, t'as vu ma tête ou pas? T'as ouais, vu comment j'ai vu, je suis stylé? T'as vu voir? Attends mais... Attends, viens sur le bord de côte parce que je vois rien parce que tu pars dans le noir. J'accoste les abonnés, voilà, ok, des Diablo, petites maisons avec tête, un coup, look l'avoir. En train de protéger. Quoi? De quoi je regarde ta tête? Tu voulais voir ma tête, t'as oublié. Ah oui, attends, vas-y, viens à la lumière. Attends, je vois pas où est-ce que t'es. Regarde, ok, t'es là. Vas-y. Bah là, je vois juste ta tête de YouTube, monsieur. Attends, Diablo, Diablo. Je l'ai enlevé, mais regarde ma tête de corbeau là. C'est une petite tête de pigeon, je dirais. Du coup, let's go. Elle est passée où, Cardi? Je la vois même pas. Attends, c'est une fille, Cardi. Bon, je sais pas où est-ce qu'elle est passée, Cardi, les abonnés. Hey, bon, regardez. J'ai repéré, regarde. C'était ici que j'avais vu Kiwigi, en fait. J'étais passé par là. Non, mais de toute façon, on y est, on est à la centrale. Non, mais regarde, on peut rentrer par là. Attends, où est ça? Ah oui, on peut rentrer par là. Ok, ici. Nice. Ok, le grillage est légèrement cassé ici. Quoi, attends, mais on pouvait faire le tour. ok. Moi, okay. Regardez, il rejette des produits toxiques dans la mer. What? Et tout, c'est vraiment... Oh, yes. Il y a un mouton, regarde, il y a un mouton radioactif. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver Uki Uki géant. Je sais pas où est-ce qu'il est. Maintenant, on va passer en mode... Alors, il faudrait que quelqu'un m'éclaire. Ou alors... Est-ce que vous avez, tu sais, t'as des potions genre de night vision? Ça pourrait être vraiment très utile, ça. Ah, j'en ai. Diabolo. Vas-y, carré. Comme ça, je vais voir dans la nuit ça, les abonnés. Ça, c'est grâce à Angelo, surtout, que j'en ai Diabolo. Eu. Vas-y, et moi, je vais enfiler ma tenue du coup du SWAT, les abonnés, tac, voilà. Puisqu'on est clairement dans une zone où il peut y avoir... Attends, Diabolo, s'il te plaît. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Attends, reviens sur le truc, les trucs, la mer, là. Les trucs toxiques. Vas-y, j'arrive. Ok, c'est beaucoup mieux déjà avec ma vision nocturne. Ok, j'arrive. Et il y a un mouton radioactif, hein. Waouh. Regarde. Attends, on peut sauter. Ouais, va pas dessus, on peut sauter. Ouais, mais c'est dégueu. Ouah, il est mort. Ouah, heureusement qu'il peut revivre. Bah du coup, nous on va peut-être pas, on va éviter d'y aller là-dessus. Hein. mais abonnés, le mouton radioactif est ultra résistant. Maintenant, on va se concentrer. Booba respawn pas loin de nous. Alors Booba. T'as vu que c'était moi qui décidais. Ils sont pas abonnés, les abonnés. Simplement, voilà, il est immortel, Booba. Nous, on est mortel, contrairement à lui. Mais voilà, c'est un petit peu l'avantage de Booba. Ok, du coup, les abonnés, maintenant, à tout moment, Uggy géant peut apparaître. Et là, c'est très très chaud bouillant, les abonnés. Regardez les abonnés, on continue d'avancer. Et là, il y a une petite caméra de surveillance. Il faut faire attention en vrai, hein. Parce qu'on est quand même sur un lieu, regarde, genre très protégé. Et moi, je suis un oiseau chauve. Concentrez-vous un petit peu, vous avez même pas vos armes à la main. Booba et monsieur YouTube, concentrez-vous là. Il faut sortir vos armes. Sortez vos armes, mettez-la à votre main. Diabolo, tu sais pourquoi on est chauve? Je sais pas, mais je m'en fous. Parce qu'on veut te représenter. Ah, c'est mon cardil. Oh, vous êtes hardcore. Bon, du coup, les abonnés, on continue. On continue. Ok. Faites attention. Alors, Diabolo, c'est au niveau de là que je l'ai vu, vraiment. Ok. Y'a quelqu'un qui est parti devant. Diabolo. Qui c'est qui est parti devant là? Qui c'est parti? Oh, il est là. Quoi? Il est là. Il est là, les abonnés. Y'a Uki Uki, il est juste ici. Ok. Tranché. Non, mets un mur. Ok, tu construis où le mur? Ok, let's go. Ok, let's go, on est dans Fortnite. Ok, attention, vas-y. C'est le mur de briques. Mettez des petits escaliers pour histoire qu'on puisse monter. Vas-y, let's go. Mettez des petits escaliers. Là, je vois même pas. Ok, je tire. Attendez, les abonnés, là, c'est chaud bouillant. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, ok, on est sur Fortnite, Ok, c'est parti. Ok, on tire. Y'a Uki. Oh, regardez, c'est Uki géant, les abonnés. Les abonnés, nous avons enfin Uki géant. Alors,
C'est géant, mais franchement ça va, regardez, elle est, il est plus grand en fait que le bâtiment. Oh les bons kiffés, par contre c'est très inquiétant les abonnés. Ok ok, il est juste là. Waouh, regardez-le. Les bons kiffés, c'est incroyable, les abonnés. Ok, il faut faire très attention, je tire. Ok, what, il a disparu. Ok, c'est bon, oh, je vise très mal. J'essaie de lui tirer des balles dessus. Ok, ça l'éloigne un petit peu. Est-ce que je sors le bazooka ou pas? Non, Diablo, on est dans une centrale nucléaire, fais pas ça. Oh, j'avoue. Pourquoi j'arrive pas à recharger? Attends. Vas-y, j'arrive pas à recharger mon arme. Ok, j'ai tiré. J'arrive pas à recharger, attendez deux secondes. Ok, c'est bon, les abonnés, j'ai trouvé mes mains pour recharger. C'est bon. Vas-y, bombardez. Il a l'air très dangereux quand même. Il a l'air très dangereux ce Guigui. Les abonnés, il est énorme. Il a changé un petit peu, hein. Par rapport au dernier épisode, il a quand même changé un peu. Mais il fait quoi? Pourquoi? En vrai de vrai, il est moins effrayant que d'habitude. Il est cringe, je suis sûr. Diablo, j'essaie de le contourner par derrière. Ok, vas-y, essaye de le contourner. Ok, regardez, les remparts se sont avancés. Enfin, les. On arrive à gagner du terrain sur Guigui, les abonnés. Là, vraiment, on est en mission spéciale. Ok, let's go, les abonnés. On est vraiment en mission spéciale. Pleine forêt face à Guigui géant. C'est incroyable. Reste tout est, je te lance des blocs pour. Les abonnés, à mon avis, on a vraiment vu que 5% des capacités. Attends, il y a des blocs. Vas-y, filez-moi. On a vraiment vu que 5% des capacités de Guigui. Il y a que 5% des non-abonnés qui sont pas abonnés. Bien vu ça. Pour moi, on a vraiment rien vu pour l'instant de Guigui méchant. Il a pris un couteau. Ok, faites attention. Tirez dessus. J'ai l'impression qu'on lui fait aucun dégât, mais en vrai de vrai, on doit lui faire des dégâts. Ouais, c'est un couteau géant. Ok, les abonnés. Ok, ses yeux, ils ont changé à moitié légèrement. What? Les abonnés, c'est Ukiweki. Wow, les abonnés, c'est Ukiweki, genre en mode vraiment vénère. Ok, les abonnés, je tire. Oh, il a fait me frapper. Wow. Et les abonnés, parfois il disparaît. Les abonnés, je tire. Faites attention. Il est vénère. Ok, les abonnés, on lui fait aucun dégât. Il est sur le toit. What, les bons kiffés. Wow, les abonnés. Wow. Ok, là c'est chaud bouillant. Faut que j'arrête de dire les abonnés. J'ai trop un truc où il peut pas nous atteindre. Ok. Fais attention. Il y a une échelle avec une cage. C'est quoi qu'il a dans la main? Il vient de sortir une batteuse dans sa main qui était gigantissime. What, mais genre il est armé maintenant. Ok, je vais recharger mon sniper. Je vais essayer de lui mettre une balle en pleine tête. Diablo, regarde, on est sur le toit, on est passé par l'échelle. J'ai vu, c'est chaud. Je sais pas comment ça va se finir, les abonnés. Ok, les abonnés, regardez, j'ai mon viseur prêt à lui mettre une balle. Ok, j'ai peut-être failli la bouger au dernier moment. Les abonnés, ce qu'il faudrait faire, c'est la tirer dans la forêt. Venez, on va essayer de la tirer dans la forêt. Venez. Wouah. Mais mec, waouh, mais c'est effrayant ça par contre. Il est vraiment chaud. Attendez, on va. Venez, on l'attire dans la forêt. Pour qu'on puisse utiliser les armes explosives. Les abonnés, je pense que c'est la meilleure idée en vrai. Si on l'attire dans la forêt, on pourrait utiliser les armes explosives. Venez, l'attirer dans la forêt. Le problème, c'est que dans la forêt, on voit rien du tout. Hein, c'est ça le problème. Il est dans la forêt. Ok, il a suivi dans la forêt. Non, mais toi, t'es parti où? Je suis dans la forêt, moi. Je suis parti dans la forêt. Allez dans la forêt. Venez. Ok, je suis sur la route. Il me court, c'est cool. Ok, j'arrive sur la route. Je sais où vous êtes. Ouais, je suis dans moi, frère. Ok, il faut le faire. Faut qu'il fasse demi-tour. Faut qu'on l'amène vers l'eau. Il va me piétiner. Faut qu'on l'amène vers l'eau. Il est là. Ok. Je suis juste là. Venez. Vous êtes où? C'est devenu une crêpe. Retournez devant. Ok, vous êtes là. Venez. Retournez devant la centrale. On va l'amener. Ensuite, on tourne directement à gauche. On va l'amener vers l'eau. Ok, t'as une tête de castor à moitié. Non. Ok, vous êtes où les autres? Je suis en train de tirer par derrière, mais je crois qu'il me voit pas. Il faut l'amener par là. Grimper sur les arbres. Aïe. Venez. Ouais. Ok, j'ai une hallucination, les abonnés. Je crois qu'il y avait CP96. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Ouais. Je pense que je suis fou. Ok, venez, on l'attire par là. Par là-bas, normalement, il y a l'eau. Et une fois qu'on l'amène vers l'eau, tu vois, on peut l'exploser avec des roquettes, tu vois, sans faire trop de dégâts. Let's go. Regardez, il y a l'eau juste là. Je vais l'attendre. Guet-apens, il faut qu'il rejoigne l'eau. Ok, il faut qu'il rejoigne l'eau. Let's go. Je l'attends en guet-apens. Ok, c'est parti. Je sais pas où est-ce qu'il est passé. Les abonnés, je me demande si on va devoir retourner le chercher. Je sais pas trop où. Les abonnés, en tout cas, on est toujours pas venu à bout de Guigui. Il arrive. Attends, mais. Il arrive vraiment. Il est là. Ok, tout le monde se prépare. À chaque fois qu'il marche, il y a des tremblements de terre. Ok, let's go. Ok, il faut qu'on l'amène vers l'eau. Venez, on l'amène vers l'eau. Venez. Ok, je sais pas où est-ce qu'il est, les abonnés. Je penche ma tête alors qu'en vrai, c'est dans mes cartes. Il est derrière toi. Je vais faire la pas. J'ai sauté à l'eau. Il va venir me voir. Où est-ce qu'il est? Les abonnés, je suis focus. Ok, il est juste là. Ok, je le vois. Je le vois, je vais mettre une roquette. Diablo, je la tire, je lance des bombes, je suis dans l'eau. Ok, j'ai mis une première roquette. Je rebombarde. Attends, j'ai rechargé une roquette. Avec le lance-grenade. C'est bon, on le fait peur. Je vais lui mettre une roquette là. Ok, c'est explosé. Qu'est-ce qu'il fait? Il part où? Il part dans l'eau?
Ouah. T'es parti dans l'eau? Ouah. Oui, et cours. What, il est parti à toute vitesse dans l'eau les abonnés? Y'a peut-être moyen qu'il soit parti vers la maison. Go 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 vers la maison les abonnés. Y'a peut-être moyen qu'il soit parti se venger à la maison les abonnés. Ok ok, let's go let's go let's go let's go. Ok, je suis ultra inquiet les abonnés. Y'a moyen en vrai de vrai qu'il soit parti vers la maison les abonnés. Ok, let's go, c'est parti vers la maison. Ouais ouais ouais. Est-ce que tu m'avais dit de me débarrasser de la poupée bleue de Poppy Playtime parce que au final on l'avait assez utilisée? Ouais, mais d'ailleurs tout à l'heure j'ai eu une sorte de truc. Je l'ai jeté dans le trou, tu vois, y'a un gros trou, y'a un gros fossé. Bah j'ai jeté la poupée. Les abonnés, de Poppy Playtime, on fait une ellipse. Le temps qu'on se retrouve à la maison, je sais pas pourquoi depuis le début de la vidéo. En vrai les gars, j'ai trop envie de me taper une barre. Je n'ai aucune, absolument aucune raison alors que le sujet est très sérieux. Mais du coup, ça doit se voir un peu sur ma tête parfois parce que vraiment, je suis à deux doigts à chaque fois de me taper une grosse barre. Du coup les abonnés, on se retrouve après une petite ellipse directement à la maison. Les abonnés, on arrive à la maison et pour l'instant aucune trace de Guigui. Il y a vraiment pas de Guigui. Genre il est là, il est là. Tu le vois? Où ça, où ça, où ça, où ça, où ça? Ok, pas de point, pas de point, pas de point. J'ai un truc à te dire. Vas-y, dis-moi, monsieur. En fait, lieutenant Christian, il m'avait redonné la poupée. Et tu me l'as jeté tout à l'heure, je crois. Je sais, mais tu l'as jeté tout à l'heure, tu l'as jeté dans le trou. Je le répète encore, mais je l'ai jeté dans le cratère. Dans le cratère là-bas, ouais. De la plage. Ok, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Si ça se trouve, il est parti là-bas. Ok, Wiki, ouais, il y a moyen, les abonnés. Ok, les abonnés, on va aller du coup au niveau du trou. Waouh, waouh, je sens comme une force qui m'attire. Waouh, waouh, attendez, waouh. Non, ça, vous sentez pas une force? Waouh, ça tremble à moitié au niveau de. Wow. Ici, ça tremble à moitié. Attention, 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 monsieur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, les abonnés! Oh, je suis attiré! Ok, les abonnés! Waouh, attendez, je vais pas le tour. Les abonnés, on va pas tarder à avoir un très beau visuel sur ses têtes. Faut que je fasse très attention parce que ça m'attire un peu. Ok, ouais, on voit pas très bien en fait. Eh Diabolo, je descends là-dedans ou pas? Ok, je débloque ici. Attends, deux secondes. Je vais juste checker. Non, descends pas. Les abonnés, c'est une sorte de trou. Alors là, j'arrive à bien résister parce que je suis assez lourd et en plus je suis un zombie. Les abonnés, c'est comme si Huggy, tu vois, il était passé sous l'eau, il était réapparu. Regarde, encore en beaucoup plus gros et c'est sa bouche en fait qui est au fond de ce trou en train de nous attirer. C'est tellement flippant. Je vais redescendre. J'ai une théorie là-dessus, Diabolo. Je redescends. Tranquille. Wouah, t'as fait me faire tomber. Les abonnés, il est juste ici. Les abonnés, ce qu'on va faire, c'est qu'à... Ouais, j'avais Cardi qui était là. Ouais, Cardi, t'es transparent, trop bizarre. Du coup, je disais que j'ai une théorie là-dessus. Dis-moi. Tu vois, en fait, déjà ma potion l'a fait grandir. Mais en plus, quand il est parti dans l'eau, il est parti pas loin des produits chimiques. Ça a dû encore le faire plus muter. C'est possible que ce soit ça. Les abonnés, on va faire un truc vraiment, je le fais pour vous, les abonnés. À 10 000 pouces bleus sur cette vidéo. Non, on va baisser. On est sur une vidéo Minecraft. On n'est pas sur du IRL mélangé de Minecraft. À 7 000 pouces bleus sur cette vidéo, on saute à l'intérieur de cette bouche et on découvre ce qui s'y trouve. Les abonnés, si vous êtes chaud, on fait ça à 7 000 pouces bleus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Il y avait Soka, Tuluxis, Scrimex, Com. Et c'est tout. Je crois que c'est tout. Il y avait Yorino. Yurina aussi, un grand merci à eux tous d'avoir participé à cette vidéo. Ouais, on comme se retrouve c'est lui, comme très bientôt lui, et pour moi la prochaine vidéo. Moi. Toutes leurs chaînes sont dans la description. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde, les potos, je vous aime. Et à très vite. Demain, les abonnés, je vois des choses paranormales de mes propres yeux dans une vidéo RL Minecraft. Soyez au rendez-vous. Je sais pas exactement quand est-ce que sortira la vidéo. Soit 14h15, soit 16h15, soit 17h15. Soyez à l'affût, tout simplement. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche. Et on se retrouve très bientôt. Bye tout le monde, les potos, je vous aime et à très très vite. And I is a big prison.